avions la haute main sur le quartier Saint-Gervais devenu un genre de Venise suite à la grande crue de février qui élargit les berges. Le reflux nous chassa vers le nord-est, la ville est la chapelle. Salutaire ce naufrage, nous y restâmes plusieurs saisons. Dans ces parages de ports inconnus, ce combat, cette Amérique et la butte Chaumont, Paris d'Espio et la chapelle Charbon. Du pont de Flandre au pont d'Arcadet, il y a moins de 2 kilomètres, mais il fallait une pleine journée. Les chemins de fer de l'Est laissaient encore les lourds convois fumants fuir vers la Champagne. Au briquet du département, cri des cornes de brume. Aux ateliers du matériel roulant, s'essoufflaient les machines, tandis que nous, barres de l'autorail, de l'escalou ondine, mettant de l'huile sur le feu qui bientôt renverserait la vapeur, la marche des usines, pour que le monde tourne dans l'autre sens. Du pont de Flandre au pont d'Arcadet, il y a moins de 2 kilomètres, mais il fallait une pleine journée. Et le maître, au dernier comptoir rue de l'Évangile, les gazomètres dans le soleil.